Salut à tous, c'est Algar de Free2PC et on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone pour une troisième vidéo. Je vous avais déjà fait deux vidéos précédentes, une sur le Paladin Secret et une autre sur le deck démoniste Reno Jackson qui était des decks qui étaient très forts dans la méta. Et aujourd'hui je vous fais une troisième vidéo sur un deck qui a été inventé par Purple. Enfin, le deck en lui-même avait déjà été travaillé par d'autres joueurs avant, mais la decklist que je vais utiliser principalement, c'est une decklist qui a été travaillée par Purple, qui est un joueur pro de Hearthstone, qui l'a utilisé il me semble à la DreamHack, la dernière DreamHack, qui a eu lieu il y a quelques temps, je crois quelques semaines, peut-être un mois. Et donc c'est la decklist qu'il a utilisée, qui est une decklist très forte, sur laquelle j'ai fait un seul changement. J'ai changé un chasseur de gros gibier, j'en ai enlevé un, il y en avait deux normalement, et j'ai mis un nombre flamme à la place. Mais sinon, à part ça, c'est la même decklist que lui. Donc c'est une decklist combo Maligos. On a un Maligos qui peut augmenter les dégâts des sorts sur le feu de l'âme, sur les doubles bandes de matière noire, tout ça avec la réduction de coups de mana du Torii-san. C'est aussi un deck qui joue des dragons, Drake du Crépuscule, Gardien du Crépuscule, Incorrupteur, deux Drake Azur. Et enfin, c'est aussi un deck qui joue les deux, où est-ce qu'ils sont, les Sinistres Colporteurs et un Bran Barbe de Bronze, qui sont donc les cartes qui ont été ajoutées avec l'extension de la Ligue des Explorateurs. Donc le Bran Barbe de Bronze qui est très fort, avec beaucoup de cartes de ce deck, qui peut nous faire piocher deux cartes avec le Sinistre Colporteur, tuer deux serviteurs. Je sais pas si ça marche du coup, je pense que ça marche pas avec la chasse au gros gibier, j'ai jamais essayé. Mais du coup, rendre 6 points de vie avec le Prophète, un Drake qui a beaucoup plus de points de vie, un Gardien du Crépuscule qui prend des dégâts supplémentaires aussi, le Corrupteur de l'aile noire pardon, qui fait 6 de dégâts avec Bran, le Drake Azur qui pioche 2 cartes, et le Robot de Soins Antiques qui rend 16 points de vie. Donc c'est beaucoup de combos qui peuvent marcher avec Bran Barbe de Bronze. Donc c'est un deck qui essaye de prendre le contrôle du board et qui ensuite va terminer généralement les points de vie de l'adversaire avec énormément de dégâts sur le Maligos en combo, généralement avec le Feu de l'âme et une bombe de matière noire. On peut arriver facilement à faire tomber un adversaire à 15-20 points de vie avec l'aide du board. Et ensuite, donc du coup, j'ai un seul chasseur au gros gibier. Moi, j'ai mis une ombre flamme en plus pour avoir un petit peu plus d'AOE parce que je trouvais que la méta en ce moment était pas mal aggro sur le ladder. Du coup, j'avais pas trop besoin d'avoir deux chasseurs de gros gibier. Je préférais avoir deux flammes infernales et un ombre flamme. Et on va tout de suite aller tester ça sur le ladder, voir un peu ce que ça donne. Je suis rang 10, c'est le début de la saison, c'est la première semaine de la saison. Du coup, on va essayer de monter ensemble et de voir ce que le deck peut donner. Alors, ok, un guerrier. Alors peut-être guerrier contrôle, peut-être aussi guerrier combo avec des patrons. Je sais que ça joue aussi un peu. Éventuellement, peut-être un guerrier Reno Jackson. Je sais qu'il y a une decklist en ce moment qui traîne. Mais du coup on va plus parier sur un guerrier type contrôle au Reno Jackson. Du coup on va virer toutes les cartes dans les games, espérer piocher des cartes style Drake Azur Drake du Crépuscule. Ok, on a un corrupteur, c'est pas trop mal. Du coup on peut peut-être espérer avoir un Twilight Drake qui va tomber, essayer de faire double connexion Twilight Drake, ça peut être pas mal. Ok, on va connexionner ici, je pense pas que ce soit vraiment intéressant de jouer des zombies. Essayer de récupérer des cartes, avoir un tour 4. Ce serait bien qu'on puisse faire connexion prochain tour et jouer un tour 4. Ok, le Drake du Crépuscule qui arrive. On a combien de cartes? 6, 7, ouais, on va faire une connexion. Prochain tour, un Drake du Crépuscule avec beaucoup de points de vie, ça va être difficile à gérer pour le guerrier, parce que généralement il joue pas de silence. Sauf si c'est un guerrier Reno Jackson, il peut éventuellement jouer le Brisor. On verra un peu comment ça va se passer. Du coup il a réussi quand même à choper pas mal d'armure, du coup prochain tour il peut éventuellement faire armor up heure de bouclier dans le Drake, ce qui est plutôt pas mal pour lui, qui du coup qu'il a eu la maîtrise du blocage. Ok, donc plutôt H exécution je pense. D'accord. H armor up, c'est un peu spécial. Je sais pas trop pourquoi il a décidé de faire ça. Du coup on va continuer, on va taper et enlever l'armure et on va piocher une carte avec ce Drake. Alors là ce qu'il nous faudrait arriver assez rapidement au tour prochain éventuellement en top deck c'est un Torii-san. Parce que là on a énormément de dégâts dans la main et plus le Maligos. Du coup Torii-san là ça nous mettrait vraiment très bien. Ok, une Sylvanas, on n'a pas de silence. Enfin on en a dans le deck mais on en a pas là. Du coup...
Est-ce que ça vaut le coup de faire... Je réfléchis à faire double zombie colporteur. Taper avec le Drake bombe. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait pile 6 de mana. Du coup, il y aurait 3 créatures à lui qui pourraient prendre sur le board qui seraient pas intéressantes pour... Enfin, qui seraient intéressantes pour nous qu'il est. Je pense que c'est une bonne idée. On va d'abord faire le colporteur. Voir ce qu'on gagne. Avec. Un deuxième feu de lame ici. Je pense que dans le matchup, ça va être très intéressant. On va faire passer 2 zombies. Est-ce que non? On va plutôt faire ça. Ça. Et du coup, on va trader ici. Du coup, j'ai préféré taper avec le Drake du Crépuscule plutôt que de faire un feu de lame. Déjà pour pas discard une carte. Parce que j'avais plutôt une bonne main, j'avais pas trop envie de discard de choses. Peut-être l'ombre flamme, à la limite, qui est pas forcément super intéressant dans le match-up. Surtout parce que ça réduisait les points de vie du Drake. Comme ça, éventuellement, s'il volait ce Drake-là, je pouvais trader avec l'autre. Ça faisait du coup une seule carte qui était vraiment embêtante qu'ils prennent, c'était le Drake. Ça faisait une sur 5, donc c'était plutôt pas mal, je pense. Ok, donc ici il va clean le board, jouer une nouvelle hache, éventuellement récupérer des points de vie, du coup il faut juste qu'on tombe l'armure. Ici on pourrait éventuellement faire un Bran, gardien du crépuscule, mais du coup ça appellerait quand même à la baston. Étant donné que derrière si on fait ça on n'a plus trop de choses à jouer, je pense qu'il vaut mieux le garder pour le combo avec le corrupteur, pour avoir 6 de dégâts s'il va jouer une grosse cible. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. On peut faire une connexion parce qu'on est full life. Oh, la chasse au gros gibier, ça c'est bien. Jouer le Drake ici. Et commencer à faire tomber les HP. Et il nous faudrait vraiment un Torii-san parce que Torii-san double feu de lame. Les feux de lame ils vont être boostés à 9 de dégâts chacun. Ça fait 18 de dégâts rien qu'avec Maligos double feu de lame. Ok. Un deuxième sonnet ici. C'est plutôt pas mal pour lui là. Il a de bonnes solutions pour clean le board. Il reste à 5 d'armure. Ah, le deuxième Drake ici qui est très bien. Je vais quand même connexionner. Mais on va récupérer le deuxième Drake. Là, il nous faudrait vraiment le Torii-san ici. Ça nous aiderait beaucoup. Parce que du coup, 18 de vie, on pourrait peut-être éventuellement le tuer dans 2 tours. Baston ici, ok. J'ai pas un gros board, donc c'est pas une super baston. Et en plus c'est le Drake qui ressort, ça c'est super pour nous. Ça l'huile un peu mais c'est vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'il y a à faire du coup? Heure de bouclier et taper avec son arbre. Ok, donc il a utilisé une exécute à heure de bouclier. Ces deux sonnets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 cartes dans la main. Du coup on peut pas jouer. Est-ce que ça vaut le coup de jouer... Corrupteur, j'ai pas trop envie de le jouer, mais en même temps. Le Maligos, pas du tout. J'ai pas envie qu'il meure, le Maligos. Il faut que je le garde pour mon OTK. Pour le tuer en un tour. Du coup, peut-être un Barn base de bronze et un Corrupteur à double dégâts. Éventuellement. Ou alors juste ça. Et on va chercher une connexion. On va faire ça. Ça lui faire un peu de dégâts face, ça fait des menaces sur le board. Ça veut dire qu'il doit recréer un board de lui s'il veut trader avec ses créatures. Ou alors il doit jouer des armes et du coup perdre des points de vie. Ou alors il doit utiliser de nouveaux sorts pour clean le board. Ok, ici un vrai. C'est pas si mal. Est-ce qu'on pourrait avoir du coup un Torii-san? Non. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Connexion. Toujours pas de Torii-san. Ici est-ce qu'on trade? Oui je pense. Oui on trade. On va chercher son armure. On se remonte les HP. Là clairement ici la clé pour la victoire c'est le Torii-san dans ce matchup. Ok du coup un gros mage qui arrive ici. On va pouvoir tranquillement faire une chasse au gros gibier dessus. Ça c'est pas un souci. Toujours pas de Torii-san. On va d'abord jouer ça. Ok. Cible en vue.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, du coup on peut pas connexionner ici, puisque du coup on perdrait une carte sinon on est déjà à 9. Il a assez bon point de vie, il a pas une trop grosse main, on commence à créer du board. Il a déjà claqué une baston, il en a peut-être une deuxième, il va sûrement avoir une arme. Donc et deuxième heure de bouclier qui joue ici, pourquoi du coup? Ok, Baron Guédon. Baron Guédon, c'est pas mal pour lui. Ça c'est un bon Drake. Du coup sergent grossier. Allez trader ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon le Torisen qui est vraiment au fond du deck hein, du coup. C'est pas top pour ce match-up, mais bon. On a ici un Drake du crépuscule, il lui reste qu'une seule exécution. Il a pas trop de vie. Éventuellement ce qui pourrait pas mal l'aider, je pense à ce stade de la partie, serait de jouer une Justicar. S'il avait une Justicar, ce serait vraiment bien pour lui, ça lui permettrait de remonter très haut en armure et du coup de se mettre hors de portée de la combo. Mais il faudrait aussi qu'il traite quand même le board parce que j'ai 6 de dégâts sur le tour. Ok, du coup on a un deuxième boom ici. Alors c'est vrai que dans ce matchup là, la decklist de purple est plus forte avec le double... Le double chasseur de gros gibier. Mais bon du coup, c'est très rare de quand même de croiser des guerriers contrôle sur le ladder. Du coup je pense que ça justifie pas. Mmh. 4, 5, 6, 7. Ou le triple feu de l'âme. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que c'est la seule carte qui est vraiment intéressante ici. 6, 7, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Du coup on peut pas connexionner non plus. Il nous reste 6 cartes. Il a 18 HP, du coup il est déjà à portée de la combo. Je pense qu'il va peut-être jouer une arme ici. Non. Ok, une Alexstrasza. C'est pas mal pour lui. Peut-être falloir du coup que je joue Maligos à ce tour-là. Ça m'embêterait quand même, j'ai pas envie de le jouer mais... Est-ce que j'ai une solution pour tuer cet Alexstrasza? Oui, je peux Corrupteur, Feu de l'âme, Voldemort. Je pense qu'on va faire ça. En espérant que... Je détiens la puissance de l'aile noire. Ah, c'est dommage. C'est pas si grave que ça, mais c'est dommage quand même. Est-ce qu'on connexionne ici? Ouais, je pense que... On a deux robots de soins antiques, du coup on peut se remettre en HP, je pense pas qu'il puisse nous tuer de toute façon, puisqu'il a déjà claqué son gros mage, il a éventuellement une arme, mais c'est tout. Il est pas censé avoir d'autres charges en deck. Ok, il joue une chasse au gros gibier du coup. Et une vierge guerrière. Toujours pas de Torisan. Ici on va simplement aller face. On reflamme. Je fais un robot de soins. J'aurais pu jouer à la Kazan et connexionner. Non, c'était peut-être un peu risqué, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'espère juste qu'il a pas de Justicar dans son deck. Ce serait vraiment embêtant. Ok, ici Hurtoir pour piocher une carte. Mais du coup, ça lui fait perdre un peu de dégâts. Ah, ça c'est bien pour lui, par contre. Du coup, je fais sûrement la silence. Hein. Torisan, non, toujours pas. Est-ce que ça vaut le coup de connexionner pour Torisan, je pense. Du coup ici on joue Torisan. Silence. Ici on a combien de dégâts? On est à... On peut jouer ça, 9, plus la bombe qui a 8. Éventuellement peut-être qu'on peut le tuer, s'il ne traite pas le Torisan, je pense qu'on a gagné. Du coup oui ici, tac. Et c'est bien joué. C'était une belle partie, on a vraiment fouillé tout notre deck pour trouver le Torisan qui était notre condition de victoire. Mais ça a marché. Du coup on va en faire une deuxième, celle-là a duré longtemps mais je vais vous en faire une deuxième juste pour que vous puissiez voir un peu plus de...
de ce deck, mais c'est vraiment un deck qui est très intéressant, et comme vous voyez, c'est un deck qui peut marcher contre, contre du contrôle. Alors c'est vrai que la decklist de Purple, comme je vous l'avais dit, je pense qu'elle est plus efficace contre, contre guerrier contrôle, puisqu'il y a un double chasseur de gros gibier, qui est le plus efficace en fait contre tous les match-up contrôle, contre les decks réno et les choses comme ça, mais contre les decks aggro, je pense qu'un peu d'AOE ça peut aider, parce que du coup les chasseurs de gros gibier sont généralement un peu une carte morte, contre les decks aggro, sauf contre les decks du style chasseur aggro, druide aggro, qui vont jouer double Fel River, des choses comme ça. Mais sinon, j'aime bien la decklist comme elle est, du coup avec les 3 AOE, je pense que ça m'aide un peu dans le matchup aggro. Bon, on risque de trouver une partie ici, peut-être. Ça a l'air de tourner indéfiniment. Ok. Alors, démoniste mur match-up. Du coup, ça peut être un zoo. Ça peut être un Reno Jackson. Ça peut être un mirror match-up. Du coup, je pense quand même qu'on va mulligan contre le zoo avec la bombe. Parce que là, on a le moins besoin de mulligan, je pense que c'est... dans les match-up contrôle. Du coup on va mulligan contre un match-up un peu plus agressif, voir ce que ça donne. Le tour 1 va être un peu décisif, il joue rien. Il y a des chances que ce soit plus un deck contrôle ou alors un zoo qui a un mauvais départ, enfin qui a pas de tour 1, ce qui peut être assez courant. Colporteur ici, ça ne donne pas beaucoup d'informations, parce que le colporteur il est joué dans certains zoos, il est joué dans mon deck, enfin le deck que je joue en ce moment, et il est joué aussi dans la liste Reno Jackson. Je pense pas que ça vaille le coup de claquer une bombe ici, on va juste faire connexion. Ok, pièce Drake du coup je pense peut-être. Ouais, pièce Drake du crépuscule. Du coup c'est... ah ça peut toujours être un Reno Jackson en fait, puisque les Reno Jackson jouent aussi le Drake. Qu'est-ce qu'on joue ici? Est-ce qu'on joue le prophète? Le prophète faut qu'il le trade, mais il peut le trader et faire le voile de mort. Est-ce qu'on fait juste une bombe et connexion? Ça nous met assez bas en vie, je pense peut-être que c'était une erreur. Si, surtout si c'est un mirror match-up, peut-être que c'était une erreur de faire ça. Parce qu'on se met assez bas en HP. Contre un deck combo. Non, c'est pas un deck combo. Du coup, qu'est-ce que c'est? Peut-être un zoo. Torissan prochain tour. Si trade. Il trade. Ok, donc c'est un Reno Jackson. Et du coup ça met beaucoup de pression sur le board. Il a 11, 12, 13 de dégâts. Est-ce que ça vaut toujours le coup de faire Torissan? Torissan il a 11, 12, 13 de dégâts. Il suffit qu'il ait n'importe quoi en main, il suffit qu'il ait une bombe, on est mort. Non, c'est pas viable. C'est pas viable du tout. On va faire du coup... robot de soin. Peu de lame. Ah, on perd le Torissan, ça c'est pas bon du tout par contre. C'était la pire carte qu'on pouvait discard ici. C'était le Torissan. Ouais. Ça c'est pas bon par contre. Ça va rendre le match-up très très délicat. Ok, boost ici, va trader. Ok, du coup ici. Bombe de matière noire sur le Drake. Et on joue notre propre Drake. Ça peut être un play.
pense qu'on va faire ça. Et ça. Ah non, c'était ça en fait le meilleur play. J'ai oublié le boost de dégâts. J'aurais dû faire le voile de mort en fait. Voile de mort, ouais, c'était largement meilleur en fait. Là, il nous faut la chasse au gibier. Ok, donc ici on lance la malédiction là-dessus, comme ça ça meurt au prochain tour. De toute façon il va nous faire 7 de dégâts, mais bon. À moins de s'il lance son propre boom. Ce qui serait pas ouf. Ok, c'est une bonne réduction des dégâts. Du coup il va trader ici à moins qu'il vole de mort, lui aussi. Je pense qu'il en a peut-être un dans la main. Ok, éruption de diablotin pour créer un board. Il nous fait quelques dégâts face. Mais son boom est mort, ça c'est plutôt bien pour nous. Ici on va Bran. J'aurais dû faire ça d'abord. On va faire ça ensuite. Toujours faire vos sorts de pioche, hein. Si vous comptez vos manas dans votre tour, que vous prévoyez votre tour, et que vous avez prévu de faire un sort de pioche à un moment ou à un autre, ou de faire une connexion, toujours le faire en premier, parce que ce que vous pouvez piocher peut changer en fait les options que vous avez. Du coup c'est plus intéressant. On peut le tuer, si c'est un deck réno, il peut tomber très facilement avec un combo. Le problème c'est qu'on a discard le Torisan, du coup ça nous aide pas forcément. On n'a pas réussi depuis le début de la game à avoir le contrôle du board, ça non plus ça nous aide pas. Et il a de bonnes réponses quand même à tout ce qu'on arrive à poser. Ici, s'il arrive à clean ce Bran, ça peut être vraiment bien pour lui. Mais du coup, il a plus de mana. Et il a déjà utilisé... Je sais plus s'il avait utilisé le Voldemort tout à l'heure, je crois pas. Du coup, il l'a pas. Du coup, c'est pas trop mal ici. Le Bran reste pour un tour. Je vais pouvoir faire un double heal, un Drake qui fait piocher deux cartes. Non, ok, il a quand même la puissance accablante. Il va l'utiliser ou alors il va aller face? Non, je pense pas. Ouais, il va l'utiliser ici. C'était bien sûr la meilleure option, je pense, pour lui. Connexion. Est-ce que ça change les choses? Je pense pas. On va juste faire ça. Et on va voir ce qui se passe ensuite. On a quand même le Maligos dans la main. Mais on a claqué... On peut plus combo le Maligos avec plus rien, en fait, en un seul tour. Mais il a quand même tué... Il a quand même utilisé son... son siphonné lame. Du coup, il peut plus one-shot le Maligos, normalement. Ok, un early Jaraxxus, c'est plutôt agressif ici. Il va l'utiliser pour trader du coup. Ça veut dire qu'il a du taunt en main. Ça veut dire qu'il a du taunt en main, par contre c'est très très risqué de sa part, parce que du coup, ça veut dire qu'il se met très bas en point de vie. Et surtout, bah qu'il peut plus en fait utiliser son Reno Jackson. J'ai envie de jouer le Maligos, parce que prochain tour je peux faire des flammes infernales. En même temps il va me taper face avec ça peut-être. Ça se réfléchit. Je pense que Maligos, non. Je suis pas sûr en fait que Maligos soit la meilleure option ici. Non, je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux jouer ça et quoi d'autre. Les deux zombies. Pour avoir un taunt. Je pense que c'est le meilleur play, je suis pas sûr. Ici je pense qu'il va faire ça. Il va jouer à autre chose et il va le taunter. Ok, bombe. Prophète. Et du coup sûrement un taunt ici. Même pas de taunt.
Même pas de taux, c'est faible du coup. Du coup, on est à combien? On est à plus 4, ça nous fait 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est qu'à 12 de dégâts. C'est pas des masses. Est-ce qu'on peut connexionner ici? Non, je pense pas. On est trop bas en HP. Je vois un Drake peut-être. Trader ici, je pense. Jouer un Drake. C'était ça, faire chasse au gros gibier. Histoire de clean le board pour l'empêcher d'avoir un double taunt de feu d'enfer. Ah, ça c'est extrêmement bon pour lui par contre. Du coup. Est-ce que ça change quelque chose ici du coup? Bah, du coup ici on a gagné, tout simplement. Ok, bien joué à lui. C'était vraiment, je pense, une erreur de jouer Jaraxxus aussi tôt dans la partie. Et je pense que c'est ce qui lui a coûté la game. Et du coup, on va passer ici rang 9. C'est plutôt pas mal. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de bien cerner le deck. C'est vraiment un deck qui est très fort, je pense. C'est un des meilleurs decks sur la méta actuelle. Si vous voulez monter sur le ladder, c'est vraiment un deck qui est très très intéressant, qui est super fun à jouer. Il y a beaucoup d'aspects du deck qui sont différents. Vous pouvez faire des combos avec plein de choses, avec Bran, avec le Maligos. Donc c'est vraiment un deck qui est cool, c'est un deck qui est difficile à jouer parce que vous avez souvent beaucoup de choses en main, donc beaucoup d'options différentes, beaucoup de choix qui s'offrent à vous et de choses que vous pouvez faire, donc c'est vraiment un deck qui demande de réfléchir. Mais voilà, si vous voulez vraiment vous amuser, je pense que c'est le deck qui vous conviendra. J'espère qu'en tout cas, moi, cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos, à laisser un commentaire, me dire ce que vous avez pensé du deck, si vous voulez plus de vidéos sur Hearthstone. Je vais essayer de jouer pas mal en ce moment à Hearthstone, c'est un jeu que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, j'avais pas mal arrêté d'y jouer, et je recommence à avoir beaucoup, beaucoup de fun sur ce jeu. Donc je vais recommencer à y jouer, espérer peut-être passer légende cette saison, parce que j'ai pas pu le faire la saison dernière, j'avais pas assez joué. J'avais commencé à jouer sérieusement à partir de la dernière semaine. Et du coup, voilà, me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, s'il y a des decks que vous voulez que je vous présente. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Google+. Et surtout sur le site internet de la chaîne, free2pc.com ou .fr, sur lequel vous retrouverez à la fois toutes les VOD de la chaîne, tous les articles que j'ai faits, surtout les free-to-play auxquels je joue, que ce soit sur League of Legends, sur Hearthstone, Heroes of the Storm. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine et bonjour à tous.